ça va bien pour vous? Pour moi, ça va nickel. Nous sommes chez Go Car Bike, comme vous pouvez le voir. Il m'a prêté cette magnifique S1 bleue. Donc, je ne sais plus exactement le nom de cette couleur, mais c'est une couleur qui est recherchée. Donc, et franchement, elle est super belle. Hein. C'est un genre de bleu électrique comme ça, super beau. Donc là, il y a une LED qui fait tout autour du feu, avec le xénon qui est dedans. Donc là, il y a une petite écope, comme vous pouvez le voir, pour faire respirer les freins. La belle calandre S1. Petite bavette en dessous qui est peinte. Elle est déjà bodybuildée par rapport à une normale. Hein. Là on voit les belles jantes 18 avec l'étrier S1. Franchement elle est trop belle. Hein. Donc là on voit le rétroviseur en gris. Donc ça c'est la marque des Audi S1. Le petit clignotant dans le rétroviseur. Donc le seuil de porte là, la belle baguette bleue dans la carrosserie. Donc ça aussi c'est typique au S1. Voilà. Voilà ouverture sans clé, hein. Vous avez entendu le bruit. Dès que je vais appuyer sur le bouton, avec la clé dans la poche, le véhicule va s'ouvrir. Là vous voyez cette belle porte, comment elle se présente. Donc là c'est du plastique dur, tout le reste c'est en cuir. Cuir sur piqué blanc. Là on voit les rappels de l'alu partout là, super bien fini, hein. On est chez Audi. Une Sono Bose, comme vous pouvez le voir. Le seuil de porte S1. Le pédalier en alu. Le volant S1 avec le méplat, le stick, je te laisse le mettre en place. Hein. Donc voilà, on voit les fonds de compteur en gris jusqu'à 280 km/h. Toutes les buses en couleur argent. Donc là on voit les magnifiques sièges, hein. Des sièges S1. On peut même voir l'arrière, la coque. Sur la coque il y a marqué Quattro. Pourquoi Quattro? Nous sommes sur un 4 roues motrices. Donc autant dire que quand on accélère c'est comme s'il y avait une main de géant qui nous poussait, hein. Il y a tout qui passe au sol. Donc l'intérieur est en full cuir comme vous pouvez le voir. On a le béquet qui est typique à la S1. Vous voyez avec le petit décroché là. Franchement c'est super beau. Hein. Et l'arrière, surtout l'arrière, il est impressionnant. On a un diffuseur avec 4 échappements. Le diffuseur en gris comme ça avec le bleu, il ressort vraiment bien. Franchement c'est super. Hein. On va ouvrir le coffre. Donc le coffre qui fait 210 litres. On est sur une S1. Mais c'est déjà suffisant. Sans la personne qui va acheter une S1, il sait à quoi s'attendre. Et là, le plus important, c'est le caisson de la Sono Bose. Donc pour l'avoir entendu, il fait le boulot. Hein. On va vous ouvrir le capot moteur. Pendant ce temps, le Stig il va vous faire le tour. On va vous montrer le décroché du phare là. Franchement, super beau. On est chez Audi, hein. Je pense pas qu'on va avoir une barre, j'espère pas, hein. Mais non, je le sais déjà avant d'ouvrir le capot, je sais qu'il y a des verres. Donc là on est sur un 2 litres TFSI, 231 chevaux, 370 Nm, c'est celui-là qui est partagé à la Golf 7 GTI en phase 1. Donc Stig, tu veux bien t'approcher, leur montrer la bête. Donc c'est un 4 cylindres, 2 litres turbo essence. Vous l'allumer, on va aller se mettre un échappement à l'arrière. Thank you.
Le véhicule est chaud, hein. Donc, vous inquiétez pas pour le turbo, le moteur, etc. On fait les choses bien, on avait déjà fait un tour avec avant, hein. Voilà, le bruit des quatre échappements, les petits retours, franchement sympa. Et dans l'habitacle, vous verrez après, c'est encore mieux. L'intérieur se présente comme ça, regardez, le quattro ici, les buses couleur alu, l'intérieur en rouge, le noir, regardez ça, molletonné. Le petit écran qui va bien avec les modes de conduite. D'ailleurs, regardez, on a un bouton Drive Select qui est là en bas. Donc c'est bien, mais quand on roule, c'est pas top. Parce qu'on va devoir baisser les yeux. Mais Audi a pensé à tout, regardez. Il y a la petite molette là. Là, ça permet de garder les yeux sur la route. Et là, on tourne, simplement. C'est beau, non? Franchement, bravo à Audi. On voit les finitions, franchement, c'est fait au scalpel. Il y a tout qui est rentré au millimètre. Bon, chaque bouton, l'ergonomie de l'habitacle elle est parfaite, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Regardez ce beau levier de vitesse, franchement, il y a du travail. Sans même m'embêter là à faire un genre de petite nervure là qui permet d'accrocher bien. Le frein à main manuel sur piquet blanc. Les sièges baquets F1. Franchement, on est bien dedans. Hein. Honnêtement, là on a déjà fait un petit peu de route pour faire chauffer le véhicule en mode éco. Comme ça, on vous fera participer au mode efficiency assez rapidement, au mode dynamique assez rapidement, autant pour moi. Donc regardez les compteurs, le petit S1 dedans, ils ont lésigné sur rien. On est dans une S1, mais ils ont fini ça comme si c'était une S5. Ils ne se sont pas dit c'est l'entrée de gamme. Juste ce véhicule est bien équipé. On va démarrer tout doucement. Hein. Tout doucement, on va se faire plaisir. Il y a un GPS, hein. J'ai juste mis le Select Drive en avant, qui a un GPS sur ce véhicule. On va démarrer doucement. Voilà, la voiture est déjà chaude, hein. On a un peu roulé avec. Voilà, donc le débattement de la boîte, il est super court. Il y a tout qui tombe sous la main. Vraiment, c'est juste parfait. Et le bruit en mode confort. Donc en mode confort, ils ont fait l'effort, donc ils ont mis un clapet sur la ligne d'échappement. Ils ont fait en sorte que les suspensions, il y ait deux chambres. Donc en mode confort, elle est sur la chambre la plus souple des deux. Et en mode sport, elle est vraiment radicale pour aller sur circuit. Il y a vraiment tout qui est dur. Et sur le volant, c'est pareil, c'est une direction électrique. Donc en mode confort, là, c'est on roule avec des œufs. Quoi. C'est vraiment tout léger. Une petite reprise. Regardez, en mode confort, on n'entend rien. Pas grand-chose. Et après, on va passer en mode dynamique, vous allez voir la différence. Ils ont vraiment fait un travail là-dessus, avec les clapets à l'échappement. Franchement, c'est bien foutu. Hein. Donc cette catégorie-là, il y a une 208 GTI, il y a une Clio 4RS, il y a des belles petites voitures, il y a une Ford Fiesta ST. Honnêtement, ça n'a pas la classe de cette Audi. Et pas le 2 litres TFSI. Honnêtement, le 2 litres TFSI, c'est le même moteur que la S3, que la Golf 7R, que la Golf GTI, que la Leon Cupra, que la Skoda VRS. Enfin bref, il a une réputation, très très bonne réputation niveau fiabilité et niveau puissance. D'ailleurs, là, on est sur 231 chevaux. On va savoir qu'en général, quand ils sont bien entretenus, sur des passages au banc, ils sont plus autour de 240-250 chevaux. Enfin, pareil, on est franchement, il y a... On roule en mode éco, on appuie à peine, ça part. On a vraiment un confort, sans compter la tenue au volant. Franchement, le volant, il est juste qu'il faut. La prise en main, elle est vraiment bonne. Franchement, regardez, sur piquet blanc partout. Voilà, à l'intérieur, on est dans une Audi, quoi. Franchement, compteur gradué jusqu'à 280 km/h. Juste un kiff. Donc, sur cette voiture, la conso mix, c'est du 9,3 litres. En mode éco, on peut descendre jusqu'à 7,5 litres. Et après, si vous roulez vraiment fort, on est entre 11 et 12 litres. Honnêtement, là, comme ça, en mode éco, ça se roule super bien. Franchement, c'est une super voiture. Et vous entendez le bruit de roulement, on n'entend quasiment rien. Elle est vraiment bien faite. Franchement, il n'y a rien à voir. Donc le réservoir, c'est un 45 litres. Vous allez dire, oui, mais c'est petit, 45 litres. Mais c'est pas si petit que ça, parce que... Regardez, bah par exemple une Fiat 500 Abarth qui est aussi très bien, qui reste en dessous de celle-là, c'est un réservoir de 35 litres. Donc à 45 litres, on est bien dans cette S1. Donc là, on va en profiter, on va en mettre le mode dynamique. D'ailleurs, la tenue de route, hein, franchement, c'est juste...
c'est vrai, mais on a 10 fois plus de sensations dans une S1. Franchement, la légèreté de la voiture, elle est vraiment fou. C'est vraiment une petite reprise en 3. Regardez, ça s'empare tout de suite. Écoutez le bruit. D'ailleurs, je t'en 5. Hein. On va se faire la reprise en 3, vous inquiétez pas. On va faire sortie de rond-point. Comment vous montrer ce que ça vaut? Je me suis mis en 5 à la reprise comme si j'étais en 3. Voilà le défi de TFSI, hein. Franchement c'est une arme de guerre. La bombinette qui fait plaisir. Hein. Honnêtement, merci à Go Car Bike. Hein. Franchement, j'aurais pas pu me rendre compte qu'une S1 c'était aussi bien. Honnêtement. En plus moi j'adore les petites bagnoles comme ça, super nerveuses. Je ferai ça en mode dynamique, comme ça on profite du son. Hein. On est derrière l'auto-école, ça fait plaisir. Vas-y mon copain. Pourquoi je me suis mis là, les amis? Pourquoi je me suis mis là? Je fais l'erreur de ma vie. Bon, la vidéo, elle va durer 3 quarts d'heure, désolé. On démarre. Ça fait 1 heure du rond-point. On va se faire un peu plaisir, hein. Tester le quattro. Regardez ça, comment ça tient. Enlève-toi, mon copain, non? Tu veux pas? Bon, ben, on va attendre. Hein. On va faire les kékés. Oh là 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 là. Tu fais quoi? Allez, salut. Là. Oh, oh, oh. Faut bien tenir le volant. Hein. Oh, 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 oh. Oh, oh. On peut ralentir. On va se mettre en 3. Regardez ça. Chez Audi, ils ont dit allez hop, on met le 2 litres TFSI de la Golf 7R, on met un plus petit turbo et faites-vous plaisir. Donc 1200 kg et des poussières avec 231 chevaux, 370 Nm de couple disponible à 1700 tours, un 0 à 100 en 5 secondes 7, donc autant dire que ça peut rivaliser largement avec une 308 GTI, Mégane 4RS, Leon Cupra grâce au Quattro bien sûr. Franchement, dans sa catégorie, je pense que c'est le meilleur choix à faire, hein. Partir sur une S1. Et si vous vous dites, oh, c'est un peu plus cher, ben, niveau finition, voilà, vous êtes dans la partie S de chez Audi. C'est pas S1, S3, là, c'est comme si vous vouliez, entre guillemets, niveau finition, une S5. Hein. Parce que je ne l'ai pas fait, donc je tiens à le faire. Donc les points forts de cette voiture à retenir, c'est le 2 litres TFSI. La couleur, elle est dans un bleu électrique, je ne sais pas le nom exactement, mais elle est magnifique. Je crois qu'il n'y en a qu'une en France. J'ai regardé le bon coin, il n'y en a qu'une en France, elle est chez Go Car Bike. Le toucher de route, donc à l'arrière, il y a une suspension, en fait, ça s'appelle comment? C'est une suspension multibras, donc ça permet que même sur chaussée déformée en virage, les roues arrière vont s'adapter. Elles ne vont pas être avec une simple barre où ça va sauter à l'arrière, donc la tenue de route, le moteur, la couleur, et les finitions. Alors ça, c'est les points forts. Après, pour être objectif, en mode dynamique, le son, il est super, mais ça restera moins bien qu'une Clio 4RS, par exemple, avec une Clio 4RS avec un échappement à Krapovic, là, sur les trophies, c'est quand même un peu au-dessus. C'est le seul bémol de cette voiture, c'est l'échappement. Il est pas assez bruyant à mon goût, mais ça se règle. Franchement, super voiture globalement. Donc les amis, si vous hésitez à acheter une S1, n'hésitez plus, hein, honnêtement. Donc les amis, comme je vous l'ai dit avant, elle est disponible chez Go Car Bike. Hein, donc n'hésitez pas à aller sur leur site, même sur Facebook, vous tapez directement Go Car Bike, vous tomberez dessus. Franchement, super voiture. Et moi, mes réseaux sociaux, c'est JeannotPassionAuto57. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sors des vidéos toutes les semaines et des vidéos de ce genre-là où c'est moi qui essaye les voitures, c'est toutes les 3 semaines. Et mon Instagram, c'est JeannotPassionAuto. À la prochaine, les amis. Gros bisous. Ciao, ciao.